Ok, salut tout le monde. Ah. Donc aujourd'hui, comme demandé, on va s'attaquer à Mr. Rod Piazza. Yes, it's too late, brother. Rod Piazza. Ok. Donc ça m'a été demandé, n'est-ce pas, par un nouvel abonné. Donc ma foi, c'est aussi la possibilité de la chaîne, hein, c'est de nourrir ce qui est réclamé. Donc on va s'attaquer à un morceau qui s'appelle It's Too Late, Brother. De mémoire, je crois que c'est un morceau de Little Walter. Et là, c'est interprété par Rod Piazza, qui est un monstre de l'harmonica, n'est-ce pas? Un Américain, un contemporain, il est toujours vivant, voilà. Et donc aujourd'hui, en fait, on va faire la première partie du morceau note à note, voilà. Voilà. Et je ferai une deuxième partie pour l'autre partie du solo, d'accord? En fait, pour les puristes, on va s'arrêter à l'endroit où Rod Piazza fait la copie du morceau de Little Walter, c'est-à-dire qu'il fait un premier solo, où en fait il refait le solo de Little Walter, il rechante, et après il fait un solo qui est à lui, et ça fera l'objet d'une deuxième partie, ok? Donc, un petit peu d'eau, n'est-ce pas? Ah. Première chose, donc nous sommes sur un harmonica en si bémol, si on veut jouer en seconde position, bien sûr. Bon, en l'occurrence, tu sais ce qu'il fait. C'est un Rocket Amp, ok, c'est des nouveaux joujoux. J'adore, franchement, j'adore. Ils sont puissants et tout. Donc on va écouter le morceau, mettre pause, on va le reproduire et on va vous le décortiquer. Enfin, je vais vous le décortiquer, même si on est plusieurs là-dedans. Donc c'est parti les amis, allez, hop. Ok, donc seconde position, on est sur les trous 2, 3, 4. Wow, c'est joue hyper fort, non? Vous me direz, j'espère que c'est pas trop fort. Donc. Donc là, il fait 2 altérés, 2 aspirés, 3 altérés. Donc, dans ce morceau, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, pentatonique mineur. Et on va se rendre compte que Rod Piazza, quand il joue le 3, il joue beaucoup le 3-4. Les deux avec la petite altération d'un demi-ton sur le 3. Et on va se rendre compte aussi que comme la mouvance, on va dire, Little Walterist, il joue doucement dans son harmonica et avec un gros son sur l'ampli. Donc nous, on va essayer. C'est un conseil, hein, mais moi, c'est ce que j'essaie de faire et donc c'est ce que je vais vous conseiller. D'être le plus doux quand vous jouez dans l'instrument. De vous rapprocher le plus du son que vous entendez de Rod Piazza. C'est pas l'ampli, le micro, ouais, mais bon, c'est son ampli, son micro, non. Non, ta gueule, c'est pas ça. C'est son son. Et le son, c'est nous. Donc déjà, acoustiquement, on va essayer de s'approcher un maximum de son de Rod Piazza. Et quand on arrive à ça, et que là, on prend l'ampli, là, c'est bon, on est parti, ok? Donc, on y va. On le rejoue pour être sûr que j'ai fait la bonne chose. Première phase d'intro. Ok? Peut-être qu'il fait... Donc, soit on fait... ça, c'est la première phrase. Donc j'ai dit 2 altérés, 2 aspirés, le 3-4 altéré d'un demi-ton. Pause. Donc 4 soufflés, 2 aspirés et le 4 altéré clair. Pause. 4 soufflés. Ok.
deuxième phrase est plus simple. Donc, 2 altéré, 2 clair, 3, 4, aspiré, altéré d'un demi-ton, 4 soufflés. On va faire beaucoup de tongue blocking aussi aujourd'hui. Parce que Rod Piazza et toute cette génération-là et toute cette mouvance-là, c'est des tongue bloqueurs d'enculés de sa mère. Quoi. Ils font que ça, c'est des chiens. Quoi. Si on n'est pas à l'aise avec le tongue blocking, on fait d'abord les notes toutes seules. Ok. Donc. Ok. Et en essayant de faire le volume doucement. Ça, c'est la suite, d'accord? Ok. Ok, vous avez entendu? L'un des trucs que je vais vous conseiller un maximum si vous ne connaissez pas le morceau et que vous voulez le bosser parce que ça, ça vous fait kiffer ce son-là et franchement, moi je suis de cette école, j'aime plein d'autres choses, hein, mais ceux-là, franchement, je kiffe de ouf, donc écoutez-le, il faut que vous ayez la rythmique et le morceau dans les oreilles. Pour moi, le seul moyen de déchirer un morceau, en tout cas de pouvoir l'interpréter, et donc pas de le jouer, de l'interpréter, c'est de l'avoir dans les oreilles. Déjà, s'il joue dans votre tête le morceau, on va pouvoir le reproduire sur l'instrument. Ok? Donc, té, la, dé, la, de, tête. Encore une fois, le 3, on va beaucoup jouer le 3-4 ensemble. Doucement. Ti, da, di, da, do, ti. Ok. Écoutez le morceau, ayez ça en tête. Là, il n'y a pas de difficulté particulière si on s'est altéré. Ok, si on s'est altéré et qu'on connaît la gamme pentatonique mineure. J'imagine quand on s'attaque à Rod Piazza, on en est déjà là, d'accord? Donc je ne vais pas aller dans ces bases-là de l'altération, et qui est toujours un truc un peu, déjà, un peu mystique. Donc mes hypothèses de départ, c'est qu'on s'est altéré et qu'on connaît la gamme pentatonique mineure. Ok? Ok, faut que ce groove il vous habite quoi. Ok, en fait c'est des phrases, on se rend compte, hein. Pour moi la difficulté de ce morceau, c'est pas les phrasés qui sont très 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 classiques, c'est le son, l'interprétation, tout doux, tongue blocking et un groove et des silences de dingue. Ok. Donc pour moi, la bonne nouvelle sur ce morceau, c'est qu'il n'y a pas de difficulté sur les phrasés. Donc. Donc, 4 altérés, on lâche l'altération, on va au 5, on reprend le 4 altéré. Altéré, bon, je vais pas préciser à chaque fois que c'est le 3 altéré parce que ça sera toujours le cas. Donc le 3, le 2, le 3. Et quand on revient sur le 3, on va prendre le 3-4. Et là, il va commencer le chant. Ok. On va reprendre depuis le départ. Jusqu'à la ligne de chant. Ok. Jusqu'au démarrage du chant. Tranquille, encore une fois.
Aujourd'hui, on a sur VLC, qui est un lecteur multimédia hyper connu, on peut ralentir la vitesse de lecture. Sur le lecteur Windows Media, c'est pareil. Et sur cette vidéo YouTube que je suis en train de vous faire, ça sera pareil. Donc, no panique, ok? Allez, on écoute. Donc juste avant c'est ok, encore une fois des phrases très classiques de blues, deux altérés, deux clairs, 3/4, deux altérés, deux clairs, enfin deux clairs, deux altérés, deux clairs. Plus lentement. Allez, rentre le chant. Ain't no need, gone no further, brother. Pardon, on va l'écouter d'abord. Eh ben dis donc, je vais y arriver. Pas... Donc là, on va faire le 4. Avec la pratique, le 4, vous allez tantôt pouvoir le faire tout seul, tantôt à l'octave, en prenant le 1-4 soufflé. Encore une fois, dans ce style de jeu et dans ce style de ils appellent ça, c'est West Coast, je crois. Ouais, c'est ça, West Coast. Ils le jouent beaucoup. Ain't no need, gone no further, brother. Ok? Ain't no need, gone no further, brother. Ok, vous avez le feeling. Si vous n'avez pas ce feeling avant de prendre votre instrument, vous ne pourrez pas l'avoir en jouant dans l'instrument, parce qu'en fait le feeling il vient de l'intérieur de vous, ce qu'on appelle le groove, le swing, peu importe, et il sort de nous, et pour sortir il faut qu'il soit déjà dedans. Si vous l'avez pas, c'est pas grave, écoutez le morceau et chantonnez, 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 claquez des doigts, tapez le 2 et le 4, si tout ça c'est familier que vous l'avez, c'est super, et donc ça va être assez accessible de bosser ce morceau. Donc, ain't no need, gone no further, brother. Donc on commence par le 2 aspiré qui est notre tonique. En interprétation, on peut rajouter un petit. Après, je ne veux pas vous polluer avec ça, c'est de l'interprétation qui peut être personnelle et qui peut au début embrouiller. Jason Ritchie, il fait ça, j'ai chopé, j'ai mimiqué ça, je ne sais pas comment. Parfois, quand je veux expirer. Ain't no need, go no further, brother. Bon, c'est ma mimique. On peut aussi juste faire. Et on peut faire le petit. Si vous, ça vous va. Si ça vous va pas. J'arrive pas à pas le faire, vous voyez? Bon, ça me pollue. Bref, vous avez la phrase. Classique. 4 soufflés, 3/4 altérés, 2. On reprend. Ok, donc là on passe au cinquième degré, je crois. Pom, 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 pom. Ça c'est les notes du contrechant. Ain't no need, gone no further, brother. Pom, 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 pom. Ain't no need, gone no further, man. Ok. Donc, un aspiré. Deux altérés longs, deux clairs, deux altérés, un aspiré. C'est une phrase vraiment symétrique. Pam, pom, pam, pom, pam. Ok? Pam. Donc si ça c'est le 1, ça c'est le 2 aspiré, et ça c'est le 2. Pam, pom, pam, pom, pam. Ok? On voit la symétrie? Oh pardon. Ain't none gone no further, man.
Ok? Pas de difficulté particulière. Quit that job, ain't no need it, go no father, brother. Bon, là il y a un deuxième couplet, il va pas nous intéresser, on va l'écouter pour le plaisir. Et on va s'attaquer à la première partie du solo. On écoute? Ah non, pas encore. Oh, c'est long ça. On va aller jusqu'à la première partie du solo, c'est un peu long. Voilà. Donc c'est 1:25 là, son enregistrement. Pause. C'est pas mal ça. La difficulté pour moi de cette phrase ici, elle est dans le timing. C'est-à-dire que cette note-là dure longtemps, plus que ce qu'on aurait peut-être envie de la faire. Pardon, je me suis laissé embarquer. Donc, je la refais. Donc, 4 altérés, 4 clairs, et là on prend 2-5 à l'octave, parce qu'on est dans un putain de West Coast blues, ta race, Rod Piazza quoi. Et c'est long. Ok, donc je vais essayer de mettre un tempo, je vais pas essayer, je vais mettre un tempo lent. Ok. Ok. Donc encore une fois, pardon, j'ai pas décortiqué la phrase en entier donc. Donc long sur ça. Et donc, on se rend compte que jouer doucement dans l'instrument va être une nécessité, parce que pour tenir les notes longues quand on fait de l'octave, on aspire dans deux trous en même temps, il faut avoir une colonne d'air bien maîtrisée. Okay. Je vous conseille profondément de faire des exercices de respiration et de méditation. Méditation. Oui, c'est pas un gros mot, mais de respirer, genre, vous faites un exercice, vous inspirez le plus longtemps possible, vous expirez le plus longtemps possible. Faites ça pendant quelques minutes, bon déjà ça va vous mettre le feu, vous avez hyper chaud. Et pour notre instrument, ça nous aide vraiment en fait. Bosser cet instrument, c'est vraiment bosser sa colonne d'air. Parce que si on est que là, ben en fait on n'a rien. On n'a pas de nuance et tout le toucher, tout le truc, il est dans le ventre. Okay. Ça vaut pour 1000 choses, bref. Donc. Donc, 4 altérés, 4 soufflés. Non, on passe pas par le 4 clair. Le 3, évidemment, altéré. Et là, c'est vraiment le typique du groove de ce morceau-là, vraiment. On retourne au 4 soufflés avant de tomber sur le 2. Ok. D'accord? Donc encore une fois, je ne vois pas de difficulté majeure, si ce n'est le placement rythmique. Bon, c'est une difficulté majeure, cela dit, donc. on la réécoute, cette phrase? Alors, on peut argumenter qu'il fait un léger... Okay. Un léger tongue slapping. Tongue slapping, c'est de l'anglais, mais il vient tapoter avec sa langue, ok. Sans commentaire.
Grave-le, merci. Mais ça peut être une image si ça vous parle. Et oui, c'est aussi ça l'harmonica. D'accord. À votre feeling, je pense qu'il en fait un tout petit peu. On peut le mettre ou pas le mettre. C'est de l'interprétation. Si on veut faire copycat, donc stricto sensu exactement ce qu'il fait, je pense que c'est... Ok. Ne posez pas la question de ce son sur le 2 aspiré. C'est du vibrato de la gorge. Ça peut faire l'objet d'une vidéo à part entière. Et c'est un... C'est un gros sujet. Donc, si vous l'avez pas, c'est pas grave. Ah! Bon. Tous les grands que vous écoutez, ils en ont un. Et c'est un objet à travailler à part entière. Peut-être que j'y dédierai une vidéo. Peut-être que j'ai déjà fait d'ailleurs sur ma chaîne. Bref. Tout balai. Exemple typique de ce qu'on a dit tout à l'heure, il prend le 3-4. Donc quand je dis 3-4, c'est comme si on jouait que le... dans notre tête, on joue que le 3, et avec la bouche, on prend le 4 avec. Et donc là, il fait... Donc, il prend le 3 altéré d'un demi-ton, évidemment, avec le 4. On lâche l'altération juste avant de replaquer le 2-5 à l'octave aspirée. Ok. À la fin de la vidéo, je vous ferai le tout à vitesse réelle, moi tout seul. J'espère que ça sera le cas, hein, pour vous montrer qu'on peut s'approcher du son de Rod Piazza en acoustique avec notre harmo, notre contrôle de colonne d'air, nos mains, etc. D'accord ? D'accord ? Allez, on écoute. C'est pas facile de segmenter comme ça. J'espère que vous suivez. Vous tracassez pas trop des effets de main, pardon. Lui joue dans l'ampli, donc il n'y a pas d'effet de main. Donc 4 clairs, 4 altérés. On tombe sur le 2 pour repartir. Il y a vraiment un côté penser à un sportif qui prend des appuis. On charge un côté pour rebondir vers l'autre côté. On charge un côté pour rebondir vers l'autre côté. Bah, dans le groove, en tout cas, moi, c'est la métaphore qui me vient, comment je ressens le groove, le swing. Ok, moi je ressens cet effet ressort là où on s'appuie pour mieux jaillir. Là, à mon sens, c'est ce qu'il fait. Tout ça pour dire, le 2, à ce moment-là, après le... Celui-là... Ce 2 là, pour moi, c'est un point d'appui pour rebondir sur la note où il met l'accent rythmique. Qui est le 3-4. Et après, l'accent rythmique, il le met sur le 2. Mais en fait, et d'un point de vue plus global, ce qui fait vraiment, à mon sens, le bouger les têtes, pour citer Ayam, c'est là où on met nos notes. Et si on les met aux bons endroits, putain, ça groove sa mère. Et ces gars-là, ce sont des rois du groove. Hein. Rod Piazza, Kim Wilson, Little Walter, Rick Estrin. Wow. Ils sont au-dessus du soleil, quoi. Ok. Donc. Vous voyez, à cette vitesse-là, on n'entend même pas que je vais m'appuyer sur le 2 avant de faire. Mais en fait, c'est presque ce qu'on pourrait appeler des ghost notes. Ils appellent ça en anglais des notes fantômes. Elles sont là, mais en fait, elles sont dans des temps faibles, on ne les entend pas, et pour autant, elles font le lien. Ok. Donc, en termes de notes pures, c'est... Donc, 4 clairs, 4 altérés, 2 aspirés. On prend le 3-4. Bien gras, comme on aime. Pas fort. Gras, ok? On peut jouer gras, mais pas fort, d'accord?
Et là, c'est tout simple, c'est deux notes. Enfin, c'est quatre notes. Le mec s'embrouille tout seul. Ce que je veux dire, c'est qu'on fait deux clairs, deux altérés à fond, deux clairs, c'est ça que je voulais dire, d'accord? Qu'on joue bien quatre notes, mais il n'y a que deux notes différentes, d'accord? Plus lent. Dernière fois. Ok. On n'est pas loin de la fin de la première partie du solo. Ok. Cette phrase, elle a un groove exceptionnel, je trouve. Encore une fois, les notes qu'il fait, elles sont sur la pentamineure, mineure, c'est basique, on est sur trois trous, mais putain, oh là où il les met. Ok? Ok? Donc. Donc, 4 altérés, 4 aspirés, 4 altérés. Et on se rend compte qu'il s'appuie beaucoup, en fait, si on élargit un peu, on dézoome. Dans son flow, il s'appuie beaucoup sur ce 3-4, plus que sur la tonique qui est le 2 aspiré, en fait. Parce qu'en termes de groove, il va jouer les temps forts, en termes de groove, il va jouer les temps forts sur ce 3-4 aspiré. Ok? Donc nous, on était là. 4 altérés, 4 clairs, 4 altérés, et là, 3-4. Ensuite, on tombe sur le 2. Et on vient faire 2, 3, 4, 4 soufflés. Et on redescend sur les mêmes notes. Ah non, pardon. Donc, 2 aspirés, 3, 4 aspirés altérés, 4 soufflés. Et là, on refait 2 aspirés, 3, 4. Et encore une fois, il finit son 3, 4, temps fort. Pardon. Ok. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec ce 3-4, bossez-le tout seul comme ça. Et baissez le volume. Ok? Et on peut ne pas le faire si vous voulez ne pas le faire, parce que vous l'avez pas, vous tracassez pas. Ce qui compte, c'est les notes au bon endroit, d'accord? Ce que je fais à la fin, on n'est pas obligé de le mettre, ok? Je sais pas s'il le fait, on va le voir après. Mais sinon, c'est. Deux clairs, deux altérés, un clair, deux clairs. Très 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 classique dans le Chicago Blues. Okay. Oh Jesus. Veuillez m'excuser. Ouais, j'ai pas un setup pour filmer qui est encore au top. Ok, on arrive presque au bout de la première partie du solo. Donc encore une fois, 2, 3, 2, 4 altérés, je lâche. Donc, 4 altérés, je lâche. Et là, on fait la phrase la plus classique de l'ensemble du monde, de l'univers, en cross harp en seconde position.
4 clairs, 4 altérés. Et le 3, comme on passe dessus, il est plus ou moins altéré, ok? Alors, faut que je retrouve mes petits. Pardon, j'ai perdu mes petits. On réécoute. Encore une fois, il ne s'arrête pas sur le 2, qui est censé être la tonique, la note fondamentale de la tonalité du morceau, donc un Fa ici, mais sur le 3, ok? Et là, on a envie de retomber sur le 2. On ne le fait pas. Justement, c'est ce qui fait ce groove. Je refais. Ok. Je pense que vous avez compris maintenant que ce sur quoi il s'appuie et comment c'est important. Ok. Tête, tête, tête. Ah pardon. Oh. Donc, Phantom Blocking. 4 soufflés donc. 2 points d'appui pour aller altérer le 3. On retombe sur le 2. 1 aspiré et là 2 altérés. On peut faire un petit glissando. On peut enlever tous les outils d'interprétation, mais du coup, bah, il ne reste plus grand-chose. Donc, si on décortique stricto sensu, 4 soufflés. Et si on ajoute un peu d'interprétation. D'accord ? Ok, on continue. Ok. C'est très rythmique. La difficulté ici, encore une fois, est très rythmique. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le 2-5 à l'octave en aspirant. Il aspire tout doucement. Et... Alors à la question, est-ce que ma langue vient frapper le sommier à chaque fois, ou le peigne, peu importe. Oui, mais avec douceur. Et si je l'enlève à peine, je la remets à peine. Ok. Et il finit par... Donc 5 aspirés. Donc, et en fait, encore une fois, 2 points d'appui. Il s'appuie sur le 2 pour repartir sur son 5. Ok, donc je m'appuie sur le 2. 4 aspirés, 4 soufflés. 3 altérés et 2 que l'on double. Vraiment la gamme, on descend la gamme. Pardon, j'ai fait une saucisse. Ok. Si vous n'êtes pas sûr, vous mettez pas en tête qu'il faut compter les... C'est pas mental. Écoutez-le. Ok. Écoutez le morceau. Et à force de l'écouter, ça va rentrer en vous. Et ce qui peut aider aussi, c'est jouer sur le morceau. Le meilleur moyen de savoir si on fait ce que fait le mec, c'est de jouer avec lui. Ok. Voilà. Donc... Ça c'est la dernière phrase de cette première partie du solo et on va arrêter aujourd'hui sur ça, on va l'écouter ensemble et elle est jouée 2 fois, ok? Vous êtes prêts, c'est parti?
Ah pardon, j'ai joué qu'une fois. C'est moi qui la joue deux fois, vous voyez? Ici. Je la réécoute. C'est dur de décortiquer et de rester dans le flow. Hein. J'espère que vous suivez et que ça vous éclaire. Ok? Comme ça, peut-être que en passant plus de temps dessus, j'ai un doute sur la première note. Je pense que c'est le 3 altéré. Je pense qu'il fait 3 altéré, 2 aspiré, et là il va chercher le 6 en tongue blocking. Donc sans le tongue blocking. Donc en fait, si vous avez suivi juste avant, on fait la même, c'est la même descente de gamme que tout à l'heure, sauf qu'on va aller taper le 6 soufflé, qui est notre octave. Pardon. Ok. Okay, donc ça c'est clair pour bosser. Maintenant la phrase il a fait qu'une fois et avec du tongue blocking. Et ça donne. Lui il s'arrête là en fait, il a fait qu'une fois. Difficulté avec le tongue blocking si vous en avez, et c'est évident d'en avoir ou d'en avoir eu. Au début, vous le faites pas, vous faites les notes claires. Et quand vous êtes à l'aise avec la phrase, notes claires, le timing, tout au bon endroit, à ce moment-là, on ajoute la langue. Okay? Sur ce point-là, ces armos, je trouve que c'est vraiment de la bombe, ils permettent de jouer le tongue blocking avec beaucoup de facilité. D'accord? En fait, c'est les nouveaux modèles qui remplacent les Special 20. D'accord? Voilà, pour la petite info. Et moi, j'aime bien le côté funky des couleurs. Ok. Et là, en fait, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est la première partie du solo, on est à 2 minutes sur le morceau, vous voyez, il reste encore 2 minutes de morceau. On va se jouer en entier jusque-là, ok? Et ensuite, je vais vous le jouer. Et puis ensuite, je vais vous laisser tranquille. Allez, c'est parti. A25 directement pour le solo. Maintenant. Vous avez vu le placement de la dernière phrase? Ok, je vous le fais moi-même, et puis on en reste là pour aujourd'hui, en espérant que ça soit clair et que ça vous aide. Ain't no need it, go no further, brother. Ain't no need it, go no further, man.
Well, you back in Tempe. Well, you better quit that job. Ain't no need, go no further, brother. Si je vois solo. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Ok? Écoutez le morceau. Waouh! Faites la lecture au ralenti sur votre lecteur VLC Windows Media et checkez avec ma vidéo. Et j'espère que ça vous a aidé. Voilà, notamment pour Monsieur Roland qui a réclamé cette requête. Et je ferai la deuxième partie prochainement. Bon, le temps que vous digériez ça aussi et que vous le bossiez. Allez, je vous embrasse, les amis. Adios!